Salut tous, bienvenue sur Coffee Gaming. On continue, un petit peu par surprise, la suite de Agent A, un petit jeu Switch qui est également sur PC, qui est un petit jeu de réflexion bien sympa. On est arrivé au chapitre 4 je crois. Oui c'est ça. Ah, on peut skipper les chapitres. Attendez, je crois bien qu'on s'est arrêté ici, à l'entrée de ce chapitre là. Un petit jeu d'enquête réflexion où il faut trouver des objets, les faire marcher entre eux et tout. Hop, alors, voyons voir ça. Combien ça va? Trevor, tu es vivant! Ah, la petite souris qu'on avait vue avant. Je me rappelle plus de tout d'avant. C'est plus sérieux que l'arrière-train d'un chameau pendant une tempête de sable. Il veut faire quoi avec le cul d'un chameau? Hop, alors, du coup, il faudrait avoir un tournevis, j'imagine. T'as pas un tournevis, toi, des fois? Non? Rémi nous croit mort. Parfait, on va commencer à s'amuser pour de bon. Faut qu'on l'arrête, Trevor. Prends soin de moi, mon petit rongeur. We can pet the rats! Donc c'est pas lui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'il y a des trucs intéressants dans les cartons? Oh! La voleuse d'uniforme a encore frappé. Ok. Oh, un bout de plan. Un schéma, ou plutôt un fragment de schéma. Ok. C'est la mère de Ruby. Je comprends pourquoi elle déteste le SSM à ce point. Le SSM, c'est le super SM, c'est ça? Ok. Dans l'autre carton, on a quoi? Donc Ruby, c'est la méchante, hein. Oh! Non d'un escarpin, j'ai enfin découvert son point faible, les chaussures. Y'a rien à l'intérieur. Ruby me tuerait si elle voyait faire ça. Enfin les serrer. Et donc nous on est le fameux agent A. Oh, une clé. On vite le reste quand même des fois que. On a rien. Ah je connais, c'est le colonel Moutarde avec le chandelier dans la salle de billard. Ah mais t'as tout spoilé, enfant. Fallait pas le dire. Un jouet sans tête charmant. Ok. C'est pas ce Ruby enfant qui fait sauter quelque chose. Championne de cache-cache. On comprend mieux. C'est bizarre, dans ce carton, il n'y a rien d'intéressant. SSM Superior Spider-Man. Ah, d'accord. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de jeu. Franchement, il est très cool, Cervantes. Tu vois, c'est un petit jeu de chill. Ni, ça doit se mettre quelque part par là-dedans. Non. Ah, là-bas. Mais ça marche super bien. Je trouve que ça manque ce genre de jeu en vrai. Est-ce que ça va niveau son d'ailleurs? Je sais pas si c'est pas trop bas. Donc attendez, peut-être que la clé va servir par là-bas. Tu vois en fait en plus c'est découpé par chapitre donc t'as pas des trucs où il faut retourner 10 000 tableaux avant et tout. Tu restes dans un environnement où tu peux quand même te repérer et ça c'est cool. À toi d'arriver on peut rien en faire? Non. Bon avec ça on va pouvoir ouvrir le truc là-bas. Voilà. On devrait pouvoir se barrer par ici. Yes! Je regarde, il y a plein de jeux que t'as arrêté en fait, je viens de remarquer. Oui, il y a pas mal de jeux, mais genre ça doit y avoir 10 ou 15% de jeux que j'ai arrêté sur tout ce que j'ai fait en fait. Donc c'est raisonnable. I told you to end Agent A quickly. You have your ways, I have mine. You shouldn't have done it like that. Now the world knows how pathetic MIA really are. Besides, once you locate Agent B, we can finish MIA for good. No one will be able to stop us. I'm sending your next mission now. Sit tight. Mission supplies will be dropping in shortly. T'as l'impression qu'ils sont pas vraiment anglais, les anglophones, les gens qui font du doublage. Do not go rogue and jeopardize this mission again. Now that Agent A is dead, I'm quite content. Ouais, c'est pas. C'est tout ce qui s'est pas rafraîchi chez moi. C'est un passage vraiment spécial de Ratchet and Clank. Ça doit être pas rafraîchi, c'est toi. Fais un petit F5, Carly. Ouais, je crois que en vrai, parmi les streamers que vous connaissez, je dois être un de ceux qui a le plus de ratio de terminage de jeu par rapport au nombre de jeux qu'ils font. Parce que très souvent, chez les autres streamers, je vois que c'est des découvertes qui finissent pas leur jeu. C'est très rare que je ne finisse pas un jeu. Par rapport au nombre de jeux finis. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Ok, il nous faut une habilitation. Là-bas, on peut pas y aller. Demi-tour! Comment on fait pour faire demi-tour? Comme ça. Bon courage, Uni! Des gros bisous et merci d'être passé! A bientôt! Ok. Prends ça, truc métallique! Ouais, on a fini juste avant Ratchet. On a mis en vote le prochain. Oh, un sandwich. Baguette au fromage. Ouais, donc on y est, elle doit être française en fait, Ruby. Pour ceux qui mangent des baguettes au fromage. Une télévision, elle s'allume pas. Oh, j'ai oublié d'enregistrer le booster votre QI ce soir. Oh, on peut rien allumer? Non. Bon app Carly. Alors, est-ce qu'il y a un petit truc avec ça? Celui-là, c'est intéressant. Il y a forcément un truc planqué en dessous. Eh ben non! Eh ben non! Ça va tout à fait ordinaire. Ah putain, je me suis fait avoir. Attends, il y a vraiment rien, c'est bizarre quand même qu'ils aient fait une interaction et tout, juste pour la... Je détecte un soupçon de bois de santal. Ok, intéressant. Par là-bas, on a quoi? Parce que là, a priori, il faut un premier niveau de sécurité, à mon avis. C'est pas original, si. Et Avoc paye bien ses employés. Alors, 1 sur 2. Ici, il n'y en a que 2. Donc, ok. Là, il n'y a rien. Peut-être dans les pots de fleurs, à mon avis. On va quand même regarder ici avant. Habilitation, d'accord. Il y a sûrement planqué un truc dans les pots de fleurs, non? Alors t'as un interrupteur qui ouvre un autre interrupteur qui permet d'avoir accès à un interrupteur pour avoir accès au dernier interrupteur. Il y a quelque chose dans l'autre. Ouais, en fait les graphismes sont assez simples, mais ça reste un petit jeu indé en vrai. Hein. J'ai jamais trop vu les gens y jouer alors que franchement je le trouve vraiment sympa. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est bloqué, ok, comment on fait? Est-ce qu'on peut faire apparaître une map, une carte, un truc comme ça? Peut-être mettre quelque chose dedans. Y'a rien à faire avec les boutons, en dessous? Mais pourquoi le Ruby garde-t-elle toutes ses lampes? Blip blop, ok. On a une fifou, là on a quoi ici? L'explosion a détruit le système de surveillance de Ruby. Donc c'était là qu'elle était pendant que MIA est enfermée. On peut rien faire avec ça. Non. Ok. Ah, il y a un truc avec un chat là-bas, on dirait. Peut-être que le sandwich, faut le donner au rat. Serait-ce minou dans la maison? Forcément, le Spytronic 3000 ne mange jamais. Ruby est sionné. Et a intérêt à avoir mis les champagnes au frais. Rien, rien, ok. On va peut-être retourner en arrière pour voir s'il y a moyen de faire quelque chose avec... C'est encore chaud. Pfiou. Peut-être retourner dans la salle de départ. Parce que peut-être que le rat va nous filer quelque chose si on lui file à bouffer. On va pouvoir compléter un petit peu la carte. Hop. Voilà. Alors là, il y a un code. Ah. Donc le code, attendez. Je vais prendre une photo. Le code va peut-être nous aider à récupérer le premier chemin d'accès. Ne jamais appuyer sur un gros bouton rouge, c'est une règle de base de la survie. Mais c'est sympa les gros boutons rouges. Souriez. Voilà. Ok. Alors. Donc, est-ce qu'il y a toujours le petit rat là-bas? Allez, viens Trevor. J'ai dû manger pour toi. Ah yes! Putain, le rat qui fait du troc quand même. Une petite clé. Je sais pas à quoi ça sert, on verra bien. Ah, Don't touch anything, oui, avec les fameux boutons. Faudrait qu'on le fasse un jour. J'avais fait le début, mais j'ai jamais fait jusqu'au bout. Donc là, il faut le niveau 3 pour ici. On va aller voir à droite. Donc, là, on a un code. Mais je ne sais pas comment l'utiliser. Ok. Le code normalement devrait nous permettre d'avoir l'accès à ça. D'ailleurs quelque chose dans le coin, ça ne bougera pas. Parce qu'on a le code avec plein de chiffres, mais je vois pas où est-ce qu'on peut les rentrer. Où est-ce que je pourrais rentrer des chiffres? Attends, je remate un petit peu les chiffres pour voir s'il y a un truc logique dessus ou pas. Donc le code qu'on avait trouvé, c'est... Mince. 474179974. Ouais, donc c'est des... C'est des décimaux, quoi. On peut pas appuyer là-dessus. Non. Non, d'ailleurs, un truc que j'ai pas vu. Ou peut-être une serrure que j'ai pas vu non plus. Viens par ici. Des fois, il y a des trucs relativement bien cachés. Hein. Je me suis déjà arraché les cheveux sur des énigmes dans le jeu. Parce qu'il y avait un tout petit objet que j'avais pas vu. Donc ça, on peut pas y aller non plus. On va quand même regarder s'il n'y a pas un truc dedans. Ok, deuxième niveau. Et le fait de retourner là-bas... Attends. On peut appuyer dessus ou pas? Non, déjà activé, ok. Et si on désactive ça, est-ce que ça nous donne accès à autre chose qu'on n'aurait pas vu? Parce qu'il faut toujours, à mon avis, il faut trouver où utiliser la petite clé. Il y a peut-être une petite fente qu'on n'a pas vue quelque part. Ok. Et coucou Vladi! Comment ça va? Merci pour le raid. Alors, ça fait combien de top 1? Un fauteuil de lecture orthopédique en bon maintien, ça ne s'apprise pas. Bienvenue de nouveau, on a fini Ratchet and Clank juste avant. Le premier sur PS3. Et là, on est en train de faire un petit jeu de chill pour changer. Un petit jeu de réflexion qui est Agent A, qui est bien sympathique. On doit trouver le moyen de s'échapper d'ici. Un petit copain pour le Vladi, les Mew. Yes, merci beaucoup. Merci Creepy. Et merci pour le follow de ma chaîne. Bienvenue à toi. Ah, ça fait plaisir. Et bien sûr, n'hésitez pas si vous voulez voir du bon top 1 par centaines sur du Fall Guys. Vladi Wolfram, n'hésitez pas à lui lâcher un petit follow. Du coup, il faut que je trouve un endroit avec une serrure en fait. Où est-ce que j'aurais pu rater une serrure? Là, il n'y a rien de plus ici. Faut que je découvre quelle est la mission de Ruby. Mais comment vais-je faire pour m'introduire dans ce repère sans qu'elle me repère? Ça fait beaucoup de repères. Ces regards sont drôlement gros et bien nourris. Aïe. Je me demande si elle aussi a fait ses courses chez Spy Boy. D'ailleurs, la petite cascade et tout, tranquille. La plus Vladi, des bisous. Et bon courage pour le taf. J'ai eu peur en attendant le top 1. Mais non, on parle pas de fort truc. Attendez, j'aurais rien manqué par ici des fois. Donc ça nous donnait des indications au fur et à mesure. Parce que là vous voyez en fait concrètement on a vu clairement que le code est censé être utilisé pour l'accréditation 1, mais je vois pas où le rentrer en fait. Donc c'est en rapport avec le truc qu'on a débloqué à droite quand même. Tu pensais à Pac-Man 99 tout de suite. Ok. Alors, par là-bas, on dirait que... Non, c'est juste un bout de truc qui est tombé, là, c'est rien de plus. Non, c'est à mon avis, il doit vraiment y avoir un truc que j'ai pas vu. Au niveau des ordi, on vérifie par ici, championnat de cache-cache, ok, rien de plus, rien de moins. On vérifie quand même les cartons, des fois qu'il y a un truc qui soit tombé dessus entre-temps. Rien. Yep. Et non. Donc tout est là-bas, tout est vraiment là-bas. Les chaussures, il n'y a rien de plus dedans. Il n'y a rien de planqué à l'intérieur. Non. Par ici. Laura, il fait rien de plus. Non, il fait que pouic pouic. Ok, on retourne là-bas. Voilà. Ici. Donc tout est là-bas. Faut juste trouver comment. C'est quand même bizarre, hein. C'est quand même très très bizarre. Attends, est-ce que la petite clé on peut pas l'utiliser d'une certaine façon qu'on ne penserait pas? Parce que là, sur la photo qu'on avait vue, ça nous montrait... Je me demande si le placement des chiffres est important. Ça nous montre vraiment en 1 la porte à gauche avec le code. Et à droite tout ce bazar. Mais je vois pas comment trouver ou interagir avec ce fameux code. Jamais, Takashi, jamais. C'était l'objectif que je m'étais donné pour la dernière fois que j'ai raté, du coup. Mais ça étonne qu'il n'y a rien à faire avec ça. Placement vide. C'est comme s'il fallait mettre quelque chose dedans, mais il n'y a rien. Il y a peut-être un objet à trouver, à mettre dedans avant. Donc peut-être qu'avant d'avoir tout bougé, il y avait un truc à récupérer qu'on n'a pas vu. Peut-être que si on continue à faire pouic pouic, Aura, il prépare à bouffer, si seulement. Et ça étonne le coup du huilot là qui sert à rien. Faut regarder s'il n'y a pas un endroit où on peut mettre la clé en vrai. Des fois qu'il y a une sorte de truc secret. Non, rien ici, rien ici. Non, il n'y a vraiment pas un truc avec cette télé. Faut croire que non. Il n'y a rien sous les coussins, il y a toujours des trucs sous les coussins. Il y a toujours des trucs sous les coussins normalement. Putain, c'est rare que je bloque aussi tôt dans un truc de réflexion. Là, tout allait bien. On peut pas réinteragir avec ça. Non. Parce que la clé, je vois pas où la mettre. Et à mon avis, soit il faut un truc qu'on doit programmer, une sorte de carte d'accès qu'on peut programmer pour mettre dans la porte niveau 1, grâce au code qu'on a. Soit il y a un truc que j'ai vraiment pas vu, mais je vois pas quoi. Là on est au 4ème chapitre, mais mine de rien, même le jeu de base au début, il est pas si simple en fait. Il est pas si simple. Des fois, il y a vraiment des petits trucs qu'il fallait voir, genre par exemple ça, voilà. Ça en fait, on n'avait pas vu avec le point de vue qu'on pouvait voir par ici. Ah bah voilà. Moi ce qui est bien, c'est comme c'est découpé en chapitres, entre guillemets, t'as pas besoin de retourner dans un ancien YouTube. Ok. Donc ça c'est bon, en fait on peut retourner là-bas et on va pouvoir pirater. On peut pas voir ce qu'il flotte là-dedans des fois? Non, non. Salut Missy Sweetness, ça va très bien et toi? Yep. Enfin, là je te dis ça va mais dans quelques dizaines de minutes quand il y aura la migraine qui a tombé, ça ira un peu moins bien. A plus Light, bon courage pour le taf, des bisous. Hop, on fout ça là de dingue. Non mais, ah, faut peut-être se rapprocher un peu plus. Et franchement, les énigmes, elles sont vraiment sympas dans le jeu. Des fois, c'est un peu chaud, mais... Au moins, tout est logique. Alors, on avait le code, que vous avez tous retenu par cœur, bien sûr. Je vous ai compté sur vous pour me le retenir. Alors, 47 417 9974. 47 417... 9974. J'imagine que c'est bien ce que vous aviez noté. Non? Je vérifie les cahiers à la fin du live, hein. Faites gaffe. Ok, on récupère ça. Ok. Nickel, Missy Sweetness. Tu joues à quoi de beau en ce moment du coup? On va pouvoir passer par ici. Voilà. Donc là on est eu à faire trouver les autres bouts de plan pour avoir les autres codes. Aspect de boîte étrange, ok. On a des petits signes, trèfle, pique, et de l'autre côté on a cœur et carreau. Faut peut-être trouver des trucs à mettre dedans ou un code spécial. Heureusement que quelqu'un avait caché un logiciel de piratage dans ce mur, bah oui tout à fait. Hein. Heureusement. On ne remercie pas ces genres de personnes. Ah il faut le niveau 2 et là... Niveau 5? Ah oui. Et je suis déjà à cet étage. Quand s'est passé le trajet, je parie qu'il y a eu des hauts et des bas. Ça on l'a pas regardé. En dessous de fougère, il y a rien. Quelle déception. Oh, attendez. Il doit y avoir un ordre. Ok. Faut vraiment regarder partout. Hein. Et le dernier. Jeu du cul. Oh, c'est classe les escaliers comme ça en vrai. Bloodborne. Ah yes. Tu avais déjà fait ou c'est une découverte? Franchement, ça, c'est le genre de jeu, c'est dommage que ça soit sorti sur smartphone, Android et tout, parce que... Après, sur Switch, c'est sympa, tu sors ta Switch, tu joues vite fait, t'avances et tout, c'est cool. Station d'inspiration japonaise, il manque une partie. Mais c'est le genre de jeu, t'aimes bien faire une petite partie de temps en temps, 15 minutes quand t'as le temps. On dirait une ancienne tour de communication. Ok. On va voir ça. Je me demande si l'ancienne tour fonctionne encore. Il nous faut un niveau 2. Ah mais attends, mais non, ça a nous donné le niveau 2 ça. Attendez. Le niveau 2, je sais plus par où j'en ai besoin déjà. Je crois que c'était pour l'ascenseur. Ah mais oui, mais non. J'ai pas encore le code du niveau 2 forcément. C'est vrai qu'il faut un code à chaque fois. Lecteur de carte magnétique, qu'on n'a pas. Ça ne bougera pas. D'accord, c'est électrisé. Et par là-bas, on a quoi? On a un petit boîtier. C'est qu'on va pas pouvoir l'ouvrir. Ce boulon est plus serré qu'un collet serré. Je les enchaîne, moi. Ok, on a un morceau de carte. Donc tu as peut-être un morceau de code avec. On y un seul morceau de carte, ça marchera pas. Là-bas, j'imagine que... Voilà. On peut pas faire grand-chose au fifou. On va quand même récupérer le CD au cas où. Hein. On sait jamais. Non, j'avais joué auparavant. Première run que j'ai découverte. Alors, j'avais bien aimé Bloodborne. J'ai eu du mal vraiment au début. Bloodborne, au début, j'avais pas trop aimé. J'avais aimé moyennement. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre le système de jeu. Et la deuxième moitié du jeu, j'ai roulé dessus. Il est vraiment chouette quand tu commences à bien choper le système de jeu. Ouais, on l'a fait il y a à peu près un an. Je suis pas très... Comment ça s'appelle? Il y a un truc par ici. Je suis pas très... Souls-like, mais de temps en temps, j'en fais un petit yes. Aspiré par la grille, donc il faudrait désactiver la grille. Au final, j'avais beaucoup apprécié. Attendez, donc il y a deux chemins en fait. Donc là je viens d'où en vrai? Ok. Et si on va par là-bas, ça nous amène où? D'accord, j'aurais pu rater le passage. Là il y a encore un morceau de... Yes. J'entends un grillon, hein. Il est énervant. Une vieille souche. Ça... Si on peut la regarder comme ça, c'est qu'il y a un truc à faire avec. Hein. On tient ça dans un coin de tête, la vieille souche qui est là. Que fait Jeanne quand James Bond elle masse? Oh là 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 là. Un ginkgo biloba sataratoge orange. Je suis quand même pas le seul à avoir eu une passion pour l'horticulture, si. Si. Alors qu'est-ce qu'on a ici? D'accord, on a le niveau 4 qui est là. Boing. Jean-Michel Brutage qui voulait absolument placer son boing. Et là, on voit l'appartement où on était dans le premier chapitre. Donc peut-être que du coup, avec ces deux... parce qu'en plus, là, il y a aussi un niveau 2 ici, accessible. Peut-être qu'avec ces deux bouts de plan, il y a moyen de récupérer le code de la deuxième mise à niveau. Et tu trouves comment du coup pour l'instant Bloodborne? Ah. Ah, ça paraît d'être du même coin, si. Ah, si, yes. 86, 60, 40. 6, 60, 40. Parfait. On a l'électrisation niveau 2. Ça avance vite, c'est bien. J'ai plus galéré au début que sur la suite. C'est comme ce que tu disais avec le vase sur la table, on n'a rien fait en fait. Ah, peut-être plus tard, hein, peut-être plus tard. J'ai retenu, c'est encore 12. Hop, par là-bas. Donc il y a l'ascenseur plus le truc. Plus là, ok. Par là-bas. Au début, pareil, le temps de s'adapter, le commencement est dur, mais une fois qu'on l'a lancé, c'est good. Là, ça me rappelle un jour, il faudrait retenter le Sekiro. Hein. J'avais bloqué un boss que j'ai jamais réussi à battre. J'étais un petit peu dégoûté. Il faudrait que je fasse une explo Sekiro, un peu comme je fais les explos sur d'autres jeux. Avec un crayon, un papier pour savoir ce que j'ai fait ou pas. ce que j'ai exploré ou pas, parce que j'ai dû manquer pas mal de trucs, je pense. 86, 60, 40. J'aimais beaucoup Sekiro, mais c'est juste un boss qui m'a bloqué. Niveau 2. Yes. C'est Monsieur Armand. Eh oui, on se tape la cafetière contre les murs quand tu vas. Le King 30 FPS de Bloodborne me repousse un peu, je vous cache pas. Je t'avoue que je vois... C'est ça qui est dingue, c'est que je me bouffe du jeu vidéo toute la journée et pourtant... un jeu en 30 FPS, ça me bloque pas plus que ça en vrai. Après ça doit dépendre des gens. Je peux voir la différence de fluidité entre un 30 et un 60 FPS, mais quand je suis dans le 30 FPS, ça me gêne pas plus que ça en vrai. Alors, attendez, ça va falloir retenir, petite photo. Hop, souriez. Faites pas de grimaces, hein. Je vous vois. Hop, voilà. Ok. Est-ce qu'on peut prendre des écrous? Et d'ailleurs, il y a un des écrous qu'on va... Attends, là, parce que là, il y a une clé. Il y a un des écrous qu'on va peut-être pouvoir desserrer. Et ça, on peut pas le prendre? Si, si. On va pouvoir allumer la télé avec ça. Là, on a plein de trucs d'un coup. Des fois, t'as l'impression d'avoir plein de trucs d'un coup et tu peux utiliser quasiment rien sans avancer. J'avais jamais vu de jetpack de ce genre depuis des années. Ok. J'espère que Ruby n'a rien entendu. Bon, moi, si tu sais faire du Bloodborne, du Sekiro, ça passera aussi, Missy Sweetness. Hein. Trouver le code pour rentrer, ça me rappelle le début de South Park Fracture Wall où j'ai trouvé le code sans le chercher le jeudi. Bravo, t'as trouvé, mais triche pas, va chercher le code. Alors. D'accord, c'est la fin, je savais pas du tout. Du coup, ça vous verra. L'armoire, on a un seau. Ok. On a un stand de tir, on dirait. Est-ce qu'on peut prendre la pastèque? Une pastèque, je dois bien reconnaître que ça a l'air amusant. On va essayer de la faire péter. Ah, il n'y a plus de balles! Dommage. Tiens, lui aussi, il confond les pastèques et les melons, c'est cool. J'avais cru que j'étais le seul quand j'étais gosse. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être un truc pour recharger, non? Une sorte de terminal de batterie. Ok. On n'a pas de batterie. Et on n'a pas eu au fond. On a quoi par là? Donc il faut relier le gaz pour faire chauffer ça. Un bec benzène éteint. Je me demande pourquoi ce cher benzène avait cœur à tout réduire ensemble. Donc il nous faudra peut-être un petit comment ça s'appelle, un petit tuyau. Là-haut il y a un truc qu'on peut ouvrir aussi. Tout simplement. Je suis presque déçu. Mais il a deux mains gauches, monsieur. Et du coup j'imagine qu'il peut pas mettre les mains dedans. Comment devenir un génie Yabegi en tout cas 7 jours. D'ailleurs, faut toujours, si je trouve un de ces 4, il faudrait qu'on teste ensemble. Evil Genius 2. Jamais je mettrai ma main dans ces kits toxiques. Il faut le faire chauffer pour le faire évaporer. Donc il nous faudra un petit tuyau. On reviendra ici plus tard. Il n'y a rien par là-haut sinon. Au moins on voit plus clair. Ok. Si le bouton était de couleur magenta ou bordeaux, est-ce qu'on aurait autant envie d'appuyer dessus? Aucune idée. On appuie sur le bouton rouge, ça se timer. Ouais, comme sur le jeu Don't touch Anything dont on parlait tout à l'heure. On a encore plein de trucs à trouver en plus au niveau du... Attends. On va peut-être, avant, vu qu'on est pas loin, utiliser la clé pour desserrer les coups là-bas avant que j'oublie. C'est vrai qu'un bouton vert, t'as pas envie d'appuyer dessus. Enfin, un bouton marron, encore moins. Le rouge, par contre, t'as un côté qui te trigger un petit peu. Tu vois là, enfin, toujours un seul morceau à ce que je vois. Oh. C'est quoi si je rappuie? Nous voilà partis à la recherche de nouvel accident spectaculaire. Et nous on a tellement rien à foutre. À côté. Ok, ça devrait marcher. Yes. Alors barrière électrique, ok. Bah faudra mettre quelque chose. Ouais. Faudra mettre quelque chose. Pourquoi il n'y a pas un gros pouce rouge? Oui, j'ai pas la rêve du coup. Du coup, on a deux trucs à faire. Il faut qu'on allume la télé. Il faut qu'on aille dans l'ascenseur aussi. La télé, on fera après. Vu qu'il faut tout bouger pour allumer. Et si le gros bouton rouge a une tête de mort dessinée dessus, c'est encore mieux. Et oui. Oh, petit chat! On est retourné, bah, on est retourné dans le chapitre 1, en fait, là. Yes. Ouh, mais il y a des trucs partout. Donc là, pour ceux qui n'ont pas vu le début du jeu, en fait, concrètement, là, on est en train de revisiter ce qu'il y avait au tout début. Franchement, il est très chouette, Mr. Sweetness. Et un bossé dans un gros parc d'attraction, la console d'un roller coaster avec des boutons d'arrêt rouge, bien rouge. Ouais, j'imagine. Il n'y a rien avec ça en plus. Des fois que... Je sais pas si ça va faire un truc si on met dans le rouge. Non. Je me rappelle plus de ce qu'on avait fait au tout début. Il n'y a pas besoin de le refaire. Avec ça. Attends, le chat active un truc là. Oh. Oh. Un numéro 3. Et un autre plan. D'accord. Putain, l'écriture qui dépasse, qui a été mal traduite. Il y avait un morceau de plan là-bas aussi que j'ai pas chopé. On va trouver tous les morceaux de plan d'un coup. Oh, ah bah tiens, le trèfle. Donc il y a un des 4 objets qu'on a trouvé. Donc faut essayer de trouver des trucs gris, mais les trucs gris sur un fond gris, c'est dur. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau par ici? On dirait pas le chat, il est pas passé par là. Il y a toujours le truc secret. Mais rien de nouveau. Rien de nouveau. La sortie est bloquée. Bon, on remet tout comme avant. On a eu tout, on a eu tout. C'est pas mal traduite, celle qui est écrite sur le bureau, c'est tout. Ah, j'ai plus de place. Bah, continuons tout. D'accord. Mon dieu. Et là, ok, qu'est-ce qu'il y a comme zbeul encore? Ah, alors on a terminé de mettre la pagaille pour aujourd'hui. C'est Luna, ce chat, en fait. On va essayer de dormir, ok. Ça, c'est un autre truc qu'on avait fait avant. Donc, déjà, peut-être qu'avec tout ça, on pourra débloquer des nouveaux trucs, en vrai. Un nouveau par ici, ok. Faudra faire gaffe de rien avoir raté quand même. Faudra peut-être repasser par ici. Mais... Là déjà on a pas mal de choses à faire, mine de rien. On a déjà pas mal de choses à faire. Il n'y avait plus de place sur le post-it, c'est ça. C'était son dernier post-it en plus. Voilà. Donc là-dessus on va pouvoir remettre tous les petits morceaux qu'on a trouvés. On devrait avoir un deuxième code, je pense. Oh, cette arnaque! Il manque encore un petit bout de code. Bon. On a dû manquer un morceau quelque part. Y'a rien par terre là, on dirait. Non, c'est juste pour faire joli. Ok. C'est con, on a presque l'accréditation niveau 3. Là en plus, au niveau 3, il va être utile pour ici. Bon, on va tenter avec la télécommande, voir si on peut débloquer un truc. Et après, il faut essayer de mettre le trèfle pour voir si ça peut débloquer un truc tout de suite, mais je pense que... Attends. De toute façon, on peut vérifier tout de suite, en fait, tout simplement. Et je pense qu'il faudra toutes les pièces. Et attendez, mais on a aussi l'accréditation de niveau 2 pour l'ascenseur derrière. Ok. Alors... Hop, on remet ça. Moi j'adore ce genre de jeu quand tu trouves la solution à une énigme, mais à quel point t'as l'impression d'être super intelligent alors qu'en fait un gosse de 3 ans peut le faire. 5, 5, 5, 9, 4, 5, 8. Ouais, c'est une clé USB quoi. Donc quelque chose me dit que ça, c'est le bon plan d'aller de reprendre l'ascenseur pour essayer de composer ça au téléphone. On va le faire tout de suite pour pas l'oublier. Coucou Nasta, je t'avoue je sais même pas ce que c'est City PSG Nasta. Je suis tellement nul en sport et en foot que... Je sais que tout le monde en parle depuis quelques jours, mais à part ça... Alors, il y a un téléphone là-haut. Qui n'était pas utile d'ailleurs la première fois. Il sert enfin à quelque chose. Ça ne marche pas. Attends, 9, 4, 5, 8, 5, 5, 5, j'ai inversé, 4, 5, 8, ah voilà. Welcome to Spy Boy, for all your spy gadget needs. Gadget. Press 1 to order, nunchucks. Press 2 to order, shoe phone. Press 3 to order, portable hard drive. To place an order, please enter your account number. Le 1. Le 1. Le 1. Le 1. Après, je crois que c'est le 1. Le 1. We're sorry. The account could not be found. J'aurais tenté. To place an order, please enter your account number. Y'a pas quelqu'un d'entre vous qui aurait un code de carte bleue en trop? Alors mon numéro de code de carte bleue c'est le... Bon, il nous manque une info du coup, il nous manque une info. Mais du coup voilà, on sait que pour le 3... D'ailleurs il n'y a rien d'autre à voir ici. On vérifie bien. Alors attendez, il nous reste encore quoi à visiter? Ah, l'ascenseur, l'ascenseur, l'ascenseur. Ah putain, on peut repasser par là, c'est... Ah oui, on peut vraiment retourner au tout début et tout. Ok. Par ici. Du coup, hop, le petit ascenseur. Par ici. Bien. Donc on peut aller au moins. Oh, il y a une petite tête de chat. Ah bah voilà. C'est peut-être le morceau plan qui me manque. J'ai beau être souple, aucune chose que je passe par là. Oh. Un peu branlante mais très lourde. On pourra peut-être la soulever avec autre chose. Alors là on a un truc ici qui est sûrement un code. Cette œuvre d'art me rappelle quelque chose, c'est quoi dans le coin? Il y a la deuxième œuvre d'art qui est par là-bas. Donc peut-être qu'il y a des trucs à activer avec... Ok. Du coup... 3 et 4, on peut pas faire ça tout de suite. Des lumières décoratives, ok. Il y a beaucoup de choses à faire hein, encore là. Donc moins 2, ça sera pour après. Là le but c'est d'avoir le moins 3, le 3. Et là déjà avec le bout de plan que j'ai, je pense qu'il y a peut-être moyen. Hein. Du coup, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ça? Non, on peut pas interagir avec? Non. Il faudra prendre en photo pour plus tard. Et les boutons qu'il y a sur le tableau, ça ressemble vraiment à ça aussi, mais on peut pas interagir avec. Du moins, j'ai pas l'impression. Peut-être pour plus tard. Hein. Et du coup, on a bien le code pour le 3. Allez! Du coup, 1, 7, 3, 0, 6, 0, 0, 6, 0, 2, 8, 7, 2, 8, 7, 1, 7, 3, 0, 6, 0, 2, 8, 7. Ok. Bon, ça avance, ça avance. Il n'y a plus que deux mises à jour après à faire. Et le 3, il va nous permettre d'aller à pas mal d'endroits, je crois. Dans la ventilation à gauche déjà. Après, je sais plus. Après, je sais plus. Quand ils sont chiés hein, de foutre 5 ordinateurs d'accréditation différents pour la même carte. Non, c'était pas là. C'était là. Ok, donc c'était tout là-bas normalement. Ah non, attends, non, ça c'est le... Non, ça c'était le 3, il était... Non, il faut que je reprenne l'ascenseur de là. Il était à l'étage de la maison. Voilà, on retourne là-bas. En fait, le truc qui est assez difficile avec ce jeu, c'est qu'il faut quand même retenir toutes les micro-informations qu'on a et qui ne sont pas directement utilisables. Voilà. Il faut vraiment oublier aucun élément. On est bon. Donc 1, 7, 3, 0, 6, 0. 1, 7, 3, 0, 6, 0. 2, 8, 7. 2, 8, 7. Yes, ok. Niveau 3. Putain, et moi qui arrive même pas à retenir mes codes d'accès pour aller sur mon compte en ligne. Ah mince, c'était pas là. Par ici. Vous le trouvez comment pour l'instant ce petit jeu? Ce qui est bien, c'est que c'est un point and click qui est pas trop facile mais pas trop difficile non plus. Il n'y a pas un lore à connaître par cœur, il n'y a pas des interactions super bizarres entre deux trucs. C'est pas de la réflexion à la... Comment ça s'appelle? À la... Mince. À la... Yep. Monkey Island non plus. Ça, laissez-moi deviner. Ça nous permet d'éteindre la ventilation là-haut et de récupérer le plan qui est dans le truc. C'est vrai que je vais pas chevalier de Baphomet, un de ces cas, je les ai pas encore fait du tout. Ok, c'est inversé le sens du vent. Il s'ouvre dans l'autre sens, super. Après des fois t'as des... Monsieur Armand, t'as des... Là ça va, pour l'instant le jeu est pas trop méchant. Il y a des moments où t'as des trucs où faut réfléchir un petit peu plus quand même. Il y a une paire d'énigmes qui m'ont un petit peu cassé la tête sur les précédents chapitres. Des fois c'est des trucs très observation quand même. Yes. Là pour l'instant le jeu est pas trop méchant. Je suis resté des jours sur des énigmes sur ce jeu là, Creepy. Ah, les chevaliers de Baphomet tu veux dire? Après je me méfie, ça a l'air toujours d'être bien et facile avec toi, mais avec moi c'est pas la même humeur. Bah, sur des jeux de réflexion, je pense que c'est des jeux que tout le monde peut faire. Et après ce qui est intéressant avec les jeux de réflexion, c'est que t'as deux façons de les faire. C'est soit en réfléchissant pour de vrai... Ah mince, il manque un bout quand même. Soit en réfléchissant pour de vrai, soit en essayant de faire de... Alors j'ai plus le nom exact, mais c'est le principe du reverse engineering, mais par rapport aux développeurs. T'analyses le game design et le gameplay de façon à penser comme le développeur pour essayer de comprendre ce qu'il a essayé de faire sur le moment. Et du coup déduire en fait une énigme... Attends, je m'en rappelle plus. À partir de ça. Donc ça il faut le niveau 4. Ok. Non, j'ai essayé pour de vrai ou pour de faux. Je sais plus s'il y a un autre truc avec un 3. Si Frostis, quand tu vas? Et si, juste là. Putain, ça me donne envie de serrer à chaque fois. Cet endroit est mieux verrouillé qu'un pot de beurre de cacahuètes à la réunion d'écureuils. Je pourrais faire ça toute la journée. Ah bah bravo! La porte est coincée. Mais c'est pas grave parce que ça va me filer le dernier bout. Un plan. On peut pas récupérer ça des fois. J'ai le chic pour tout casser sur mon passage, moi. On dirait moi. Y'a rien de plus? Non. Ni ça doit être le dernier morceau de plan pour avoir le code de niveau 4. nous permettra d'aller là-bas, mais également déverrouiller la Kalachnikov. Faudrait qu'on fasse un petit peu de point and click, un de ces quatre. J'aimerais bien refaire Full Throttle, un de ces quatre. C'est un jeu que j'avais fini quand j'étais gosse et on n'a pas fait la remaster. Je l'ai depuis un petit moment. Il faudrait que j'écoute les Chevaliers de Baphomet. Niveau 4. Alors, 4977. 4977. 36093. 36093. Ok. T'inquiète, les céréales au goûter, ça passe bien. Ah, mais j'ai même pas encore déjeuné. Bon, on dirait qu'on a quasiment fini le chapitre au final, hein. En point and click et à Dibou, c'est pas trop dur. En fait, c'est chiant à installer, c'est ça le problème. Je voulais faire à Dibou 2 avec vous pour rigoler il y a quelques années et j'ai jamais réussi à installer sur le PC. Ce fish file, c'était mon jeu d'énigmes préféré sur GBC. Je connais pas du tout, c'est quoi? Ah, attendez, l'accréditation 4, je sais plus où elle est. Je sais plus où elle est. Je sais plus où elle est. J'ai totalement zappé. Merci Creepy. Parce que là on a besoin pour ouvrir ici. Ça c'est juste le nombre en bas. Ok. Non, il faut que je retrouve où est-ce qu'on peut avoir l'accréditation de niveau 4. Je sais plus du tout où aller. Là, il faut le niveau 5 pour aller là. Ok. J'ai toujours pas trouvé d'autres trucs par là-bas. Alors attendez. Ah! Du scénarial. Il fallait passer forcément par endroit en fait. Ah, il est sur iOS, j'avais pas Frosties. Ah bah le 4 il est là. Ruby est parti chercher du matériel. Je vais enfin pouvoir infiltrer dans son repère. Bon, on a déjà fait ça, non? Hop, du coup là. Niveau 4. Yes. Alors. 49773. 49773. Ok. 093. 093. Mince. Quoi? Attendez, j'ai appuyé sur B pour retourner en arrière. Bah, normalement ça sauvegarde tout. Ça... Voilà. Je vais retourner en arrière et. 49773. 6093. J'ai appuyé sur Start au lieu d'entrer. 93. Voilà. Franchement, il les vaut, hein, Frosties. Il les vaut. Tu passes en général à peu près 2 heures par chapitre, t'en as 5. Ça fait le taf. Ça fait le taf comme jeu. Est-ce que je peux aller par là-bas maintenant? Je sais pas. Je suis pas sûr d'avoir compris quand. Dire par. Ce qu'il a dit dans le sens où il faut aller chez elle. Parce que c'était la maison du début, le chez elle, non? Tu cherches quoi comme jeu PS3, Cyril? Ah, d'accord, donc il y a un autre chez elle qui est ici en fait. Ok, alors voyons voir quel tour je vais lui jouer. C'est quand même bizarre ça. Un gros bout à rouge! Clic. Genre on pouvait pas monter autrement quoi. On va faire le tour avant. Regardez-moi ces deux-là, je me demande s'ils s'entendent bien. Hop. Ça fait partie du catalogue automnitaire de Spy Boy. On va peut-être trouver justement son code de compte ici. Ah, à mon avis, peut-être qu'avec le son, on va pouvoir le remplir d'eau et avec l'eau, on va pouvoir trouver un truc dans la cheminée. Je donnerai un bras pour pouvoir m'asseoir. Non, il ne faut pas dire ça en présence de si gros poissons. Ok, rien de fifou. Non, je crois qu'il va falloir trouver un moyen de remplir l'eau. Est-ce qu'on peut remplir l'eau tout simplement comme ça ici? Ça me paraît très logique. Il y a de l'eau, il y a un seau, tu remplis le seau, ça fait un seau d'eau. Non, non. Tu m'as convaincu, je le prends. Ah yes. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à la série Caricature des goûts. Ah ouais, le coup espion, espion et graphisme, ouais, ça fait vraiment penser à ce style-là. Pou 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 pou, mot de passe oublié. C'est le nom de Minou. Bonne question. Et là, on a de quoi mettre la clé USB si on arrive à la commander. Non, puis bon, elle est pris avec un ou deux L, encore une insomnie en perspective. Là, on voit qu'on peut mettre une petite clé. Ok. Ah, Luna, non, je pense pas que ça passera. C'est les classiques du génie du mal. Je crois que je vais m'y asseoir pour lui faire perdre les formes de son popotin. Attends, c'est moi, il y avait un truc un petit peu là, où c'est une ombre. Les choses que cette plante a dû voir dans le repère de Ruby, ça défie l'imagination. Attendez, quand même, il y a un truc qui m'étonne, c'est qu'elle soit quand même bien allumée cette lampe. Genre, ça sert juste à ça. Bon. Faudrait que je vois s'il y a un autre accès avec le 4 ou pas. Ou trouver un moyen de remplir l'eau. Alors qu'il y a de l'eau qui passe ici. On peut pas aller à gauche ? Voir les requins. Ah, il y a le meilleur endroit pour il y a de meilleurs endroits pour piquer une tête. Ok. Rien d'autre. Non, c'est juste pour montrer les requins. Ok. Il est fort ce Coffee, je suis sûr qu'il peut nous faire craquer pour Pong. Oh. En vrai, oui. Il y a rien à choper. Ah, attendez, on peut pas choper les trucs là. Ok. Un briquet. Attends, c'est quoi? Une clé carreau, d'accord, on a la moitié des clés. Et un briquet. Alors le briquet, le briquet, le briquet. Le briquet. Il nous servirait à quoi? C'est déjà ouvert. Donc il n'y a pas besoin de ce 2 pour l'instant au final. C'est très bizarre sorti du contexte. Hein. Il n'y a pas besoin de ce 2 pour l'instant. Le briquet, c'est pas un post-club. Donc, faut que je trouve le nom du chat. Faut que je vois à quoi sert le briquet. Faut que je comprenne à quoi sert ce truc là. Il y a peut-être encore un truc à faire avec les réponses à droite. Faut que je regarde s'il y a un accès autre part avec le code 4. Tiens, on va mettre ça tout de suite ici, comme ça j'oublie pas. Faut que je trouve le numéro de compte aussi. Alors, retournez voir par là-bas, du côté de la tour. Ouais, mais c'est un chat d'espion, même sous la torture, il dira pas son nom. Hein. Il a été entraîné à pas dire son nom. Moi, c'est pareil, Luna, tu lui demandes. Tu t'appelles comment? Tu vois, parfaitement entraîné ce chat, parfaitement entraîné. Là, il nous faut une carte d'identification. Ok. Mais à mon avis, là, je suis sûr qu'on peut balancer de l'eau là-dedans et puis ça ouvrirait le truc, ça enlèverait le truc électrique. On peut pas faire fondre un truc ou je sais pas, non. On va retourner en arrière. On va retourner en arrière. Je voudrais bien revoir un petit peu à droite. Là, il y a le truc chinois ou japonais à compléter. Là-dedans, par hasard, est-ce qu'il n'y aurait pas un nouveau truc qui se serait débloqué aussi du fait qu'on ait changé l'air? Non, on a juste récupéré le schéma qui était dedans. Donc là, c'est là où on a mis le 4e. Et là-bas, il y a toujours le petit truc avec le petit bout de bois. Une vieille souche. On peut pas interagir avec? Non. Il y a forcément un truc avec cette souche. Ok. Là-bas, on peut pas y aller des fois? Non. Il doit y avoir un truc bien en arrière que j'ai loupé. Ouais, je vous ai dit, de temps en temps, il baisse ce jeu. Et là, il est à 2 € et je savais même pas qu'il était 2 € aujourd'hui. Et souvent, il passe à 1 € aussi. Il est passé déjà au moins une paire de fois à 1 €. On peut pas activer ça. Je rappelle qu'on a un code par rapport à des positions de trucs, mais on ne sait pas comment les faire. Qu'est-ce que j'ai pu manquer? On va prendre une photo de celui-là quand même au cas où. Il y a 19 $ chez vous. Ah. Un petit coup de VPN. Est-ce que je vous ai déjà parlé de NordVPN? La sponsor live. Ah, puis là, il n'y a rien de plus. On va essayer de trouver le nom du chat. Parce qu'avec le nom du chat, j'aurai le... j'aurai l'accès à l'ordinateur et peut-être beaucoup plus de trucs, hein, clairement. Alors, faut que je me rappelle par où il faut que je passe, je crois que c'était par là. Non, c'était pas par là. Ah, mais attends, ah, mais j'ai ça maintenant. Je savais que j'ai un deuxième truc niveau 4. Ah, c'est pour accéder au niveau 5, mais qu'on n'a pas encore le code. Des munitions. On n'a pas moyen d'en avoir autre part. Attends, mais au pire, s'il n'y a pas de gaz pour le bec benzène, est-ce qu'on peut pas allumer directement avec le briquet? Ou c'est juste pour allumer une fois qu'il y aura le gaz? Non, donc le briquet, on sait à quoi il sert, il va servir à allumer le bec benzène quand on aura du gaz. Ok. Il faut trouver un long tuyau. Vite, 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 Coffee joue au jeu, raison de baisser au prix d'un café, mochaccino, latte, décaféiné, recaféiné, suppléant couscous. Ouh, café au couscous. J'aime beaucoup le café, j'aime beaucoup le couscous, mais je tenterai pas. Ah putain, un vrai couscous maison, ça fait depuis tellement longtemps que j'en ai pas mangé. Hein. C'est tellement bon le couscous. Je pourrais en bouffer tous les jours. Enfin, ça dépend quel couscous, mais... Non, faut que je reprenne le tube de verre. Mais non, je mets plus rien dans mon café maintenant, on m'a déjà fait le coup de mets du miel dans ton café, tu vois, c'est meilleur. Non, plus jamais. Je me ferai plus jamais avoir. Je trouve ça bizarre quand même le code couleur, c'est peut-être pour un truc plus tard. Hein. Toi, t'as jamais acheté des sèches aux croûtes aux fraises. Dieu sent, tu sais, l'arnaque, tu sais, comme la tarte au concombre. Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs par ici des fois? C'est exactement comme avant. Non, ça n'a pas bougé. Attends, sinon ça filerait tellement de surface à réétudier. Donc ça, c'est tout ça, c'est tous les trucs du premier chapitre. Mets du sel dans ton café, non. Alors, donc il faut trouver de l'information sur comment s'appelle le chat. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas un collier ou un truc comme ça où c'est marqué dessus. De toute façon, il est à l'étage, on va aller le voir. Ça se trouve, il y a peut-être moyen de regarder sur son collier. Il a un petit médaillon, on est d'accord. Il s'appelle Che Onyx, d'accord. Nom de famille, Tameir. Ok. Putain, ça va, on bloque pas longtemps en fait, c'est cool. Je me rappelle qu'il y avait une fin de soirée, on avait lancé le jeu. En mode, bon, on va jouer un petit peu et tout, ça va être calme, ça va être chill. Il m'avait vraiment déchiré la tête, hein, le jeu. En vrai, attends, la banane, c'est pas dégueu, mais il faut du poivre de je sais pas quoi. C'est précis. Et ça se trouve où le pays de je sais pas quoi? Attends, j'ai oublié. C'était en bas à droite. C'est là-bas. Voilà. Ça devrait totalement se débloquer. Alors, oh. Attends. Nix. J'adore parce que t'as des cotes avec 10 chiffres à côté. Là, c'est le nom de son chat quand même. Alors, opération chaos, mise à jour de la mission. Un piège est à élaborer pour l'agent B pour cette nuit. Vous trouverez le déguisement approprié dans votre matériel de mission. L'agent B est affaibli, utilisez vos techniques de persuasion pour la retourner. Si vous n'arrivez pas à la convaincre de rejoindre Avoc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ruby, n'oubliez pas que je suis votre nouveau commandant, que c'est moi qui dirige cette opération. Je vous communiquerai plus d'informations sur l'étape 2, nom de code, bague et diamant, dès que vous aurez terminé avec l'agent B. Pour le moment, restez où vous êtes, vous recevrez bientôt votre matériel de mission et je vous contacterai pour vous donner le feu vert. Nouveau chef des opérations, Hermine Descaïs. Ah, mais c'est bien sûr. On s'est fait trahir depuis le début. Non, je sais pas qui c'est. Allez pas le croire, le chef est un agent double, il m'a piégé. Ouais, mais je le savais. Ok, on peut télécharger mais on n'a pas la clé. Attendez. On peut pas faire autre chose du coup? Mince. Le problème c'est qu'il me faut son numéro de compte. J'ai pensé qu'il me faudrait une clé. Il y a vraiment rien à faire avec ça. Puis Ruby voir là ce patron là-haut, je parie qu'elle est aussi regarde des vidéos de chat. Putain, il manque tellement de trucs. Attendez, il me faudrait une petite clé, il me faudrait un tuyau, il me faudrait des munitions. Il me faudrait son numéro de compte. Il n'y a rien de plus à faire ici. Luna dort derrière, elle est sage. Du poivre de Sichuan. Moi, à propos de trucs bizarres et de poivre, il y a un truc que je regarde tellement. Je sais pas si ça existe encore. Il faudrait que j'en trouve si ça existe encore. C'est des chips citron vert poivre. Poivre noir, c'est une tuerie. C'est mes chips préférés ever. J'en salive rien que d'en parler. Je sais pas s'il y en a déjà qui ont goûté ou qui ont déjà vu. C'est une tuerie. Et tu manges ça avec du saucisson. Oh, c'est top. On peut pas passer par en dessous des fois. N'importe comment ça, il doit y avoir moyen de la débloquer. Avec le saut, ça m'étonnerait. Non, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Là tu vois quand Coffee commence à galérer, qui fait n'importe quoi pour voir si ça peut marcher. Bon, c'est une marque... non, c'est même pas une marque anglaise, c'est une marque commune genre Vico ou un truc comme ça qui fait ça normalement. Y'a vraiment rien là-dedans? Non. Ou Lays, je sais plus. Et ça, le problème, c'est que je sais vraiment pas comment ou où l'utiliser non plus. C'est par rapport à l'autre tableau, et il y a toujours ça qu'il faut que je trouve le moyen de faire tomber. Yep. Ah, c'est malin, maintenant j'ai envie de chips. Ah, je vous déteste. On finit toujours par parler de bouffe sur le chat. Hein. Je connais des streamers où ça finit pas, toujours par parler que de cul. Chez nous, ça finit toujours sur la bouffe. Hein. Attendez, je remate quelques trucs des fois que... Donc ça va être pour un coffre fort qu'on aura plus tard. Ok, là on n'a rien de plus. En vrai, il nous manque juste un bout de... Mince. Un bout de code et on a ce qu'il faut. Hein. Nous on commence par le cul, on finit par la bouffe. Why not both? Du coup, qu'est-ce que j'ai de nouveau qui aurait pu changer quoi que ce soit? C'est juste l'accès au niveau 4. D'accord, il manque juste un bout là. Il manque le bout du truc du niveau 5. Il n'y a rien de plus ici. On va quand même revérifier. On peut pas prendre le rat avec nous pour le mettre dans, dans le truc du chat. Ça sert toujours à rien, ça, on est d'accord? Ok. Peut-être qu'il faut choper le chat pour le mettre dans le truc du chat. Mais il avait pas l'air d'être d'accord tout à l'heure. Il est toujours là, Pouic-Pouic. Attends, on peut pas mettre le rat dans le seau. Non. On peut pas cramer le rat. Ah, dommage, j'aurais bien voulu jouer à l'animation. Les effets de lumière et tout. Donc là, il n'y a toujours rien de nouveau ici. Ou rien de plus, du moins. Là-bas, il n'y a rien de plus. On va quand même essayer de retoucher à ça, voir si on peut faire quelque chose. Non, non. J'arrive et je vois Coffee qui essaie de brûler des souris. C'est pas moi, c'est les viewers qui m'ont forcé. Coince le rat dans le C. Bah oui, la tête dans le trou et puis pouf, il peut plus sortir, c'est parfait. Alors. Donc peut-être qu'il faut que je retourne à des endroits que j'avais déjà été avant et que je suis pas retourné là. Il y a un truc. Normalement on n'a plus besoin d'y retoucher à tout ça. C'est des trucs qu'on a fait dans le premier chapitre. Est-ce que ça aurait pu couper l'eau là-haut ça? Ce serait salaud s'il fallait surtaper une partie des énigmes en fait. Ok, on peut retourner au... Non, on peut pas. Le roi des rats du coup avec les collerettes et tout. À la limite, parce qu'on peut faire couler de l'eau, donc est-ce qu'on peut pas mettre l'eau dans le seau? Ah on a vraiment coupé l'eau. Ah d'accord, on a coupé toute l'eau. Attends, si on a vraiment coupé toute l'eau, est-ce qu'il y a toujours la cascade là-haut? Attends, j'essaie de réfléchir à des trucs, mais des fois c'est un peu perché, donc je me demande quand même. Parce que si on a coupé l'eau, est-ce qu'il y a toujours l'eau qui coule là-haut? Parce que s'il n'y a plus l'eau qui coule, peut-être qu'il y a un truc dans l'endroit où il y avait de l'eau. Mais sinon, peut-être qu'il y a moyen de remplir le seau d'eau si on réactive l'eau. Attends, c'était où déjà? Je sais plus. C'était pas là. Ça commence à faire beaucoup de pièces là quand même. Parce que vous voyez, il y avait un petit ruisseau, donc je me demande si par hasard il n'y avait pas quelque chose là-bas. Et le truc du chat, je sais pas s'il y a encore un truc à y faire ou pas. Non, il y a toujours l'eau. Et sa pirana que je viens de voir, rien plus rien de m'étonne ici. Il n'y a vraiment pas moyen de choper de l'eau? Je comprends pas. Non, je vais essayer de le remplir dans la douche, mais il faut que je réactive l'eau. Mais ça m'étonne quand même que ce soit aussi perché. Après, je vois pas à quoi ça servirait d'autre en fait. Et le chat du coup je sais pas, il y avait un truc là-bas qu'on a chopé tout à l'heure je crois. Mais je sais pas s'il y a encore un autre truc qu'il faut que je dois faire potentiellement. Ou s'ils ont juste mis l'animation pour faire un truc joli. On réarrive là avec le truc chinois. Donc là-haut il nous faut une carte magnétique qu'on n'a pas encore. Non il faut juste trouver un moyen d'avoir le code. Après le truc des couleurs ça... c'était pas là que je voulais aller dehors. Le truc des couleurs ça ressemble franchement à un... Mince. Ça ressemble franchement à un truc de numéro de téléphone aussi potentiellement. Le truc des couleurs sur le tableau avec l'autre tableau qui ressemble pas mal. Du coup on va retourner... C'était là-haut. Alors, peut-être que le chat on peut le mettre dans le seau pour le capturer. Et le faire passer par la chatière. Hop. Non. Bon, dommage, j'aurais tenté. Est-ce que là où il y a quelque chose? Rien de plus. C'est quoi si on regarde ce coup-ci? Donc il y a toujours le bateau qui est en train de cramer. Ah, ok, ça n'a rien changé par rapport au début du jeu. Non, on n'a pas brûlé le chat. Je vous l'avais dit, c'est le chat qui force, c'est le chat qui me force à faire des trucs dissidents. Pas des trucs, pas bien. C'est le chat dissident qui me force à faire des trucs. On l'a refait. On va y arriver. Déjà activé, ok. Non, faut trouver le code. Faut trouver le code pour commander la clé et l'utiliser. Il y a rien de plus par ici. C'est souvent la fin des chapitres qui est vraiment difficile, mine de rien. Ah, j'ai pas réactivé, j'ai oublié de réactiver l'eau. En plus, Akashi, bon courage. Et à bientôt. Ok. On met de l'eau. Là, si on peut pas remplir le seau, je vois pas ce qu'on peut faire. En vrai. Y a pas une petite carte qui traîne quelque part, non? Rien là-dedans, non. Parce que là, attendez, si je repense à tout. Il nous faut une petite clé, il nous faut une carte d'accès, il nous faut une clé USB qu'on peut avoir si on a le numéro de compte. On a encore quoi? Il faut trouver le moyen de désélectriser la grille là-haut. Il faut, il y avait quoi encore? Il y a un dernier truc, je crois. Ah bah voilà. Et là, on peut l'utiliser comme ça. Yes! C'est bon. C'est ce qu'il faut faire. Donc avec ça, on va balancer dans le panneau de contrôle de la tour électrique et on va trouver des trucs là-bas. On fait des retours, les cuisseaux qui brûlent. Alors encore ça va parce que tu sais, les vieux point and click, bah des fois en fait, t'avais tout le jeu, tu pouvais retrouver tout le jeu comme ça. Moi je me rappelle à l'époque, j'avais fait Woodruff et Schnibble d'Azimut, pardon. Ou des fois vraiment en toute fin de jeu, fait que tu retournes au tout début pour utiliser un nouvel objet avec un truc et tu fais des retours de ouf. C'est vraiment un jeu sur lequel j'ai passé des dizaines d'heures en vrai. Quand c'était à la surface. Woodruff. T'avais vraiment des énigmes et frappadingues, enfin. Des fois, t'avais un objet que tu récupères au début que tu utilisais, mais 50 tableaux plus tard, quoi. Peut-être qu'on peut réveiller le chat avec le seau d'eau. Parce que moi, je me dis, là s'il fout un petit coup de seau d'eau là-dedans, ça a pu être électrique. Ouais, c'est ça. Bien. Ça commence à sentir la fin. Il y a un truc là. Au top. Ah bah voilà, deux objets qu'il me fallait, parfait. Donc la petite clé, on va pouvoir la récupérer avec ça. La carte magnétique. Ah, il va falloir, à mon avis, il va falloir qu'on trouve un truc pour réparer l'antenne. C'est une sorte de plaisir ou de haine. Bah en fait c'est mon tout premier jeu Woodruff, c'est mon tout premier jeu PC. Et mon premier point and click. Donc quand j'étais gosse, j'étais juste content de pouvoir jouer dessus en fait, je cherchais pas plus loin, c'est « Ah, c'est trop bien !» Et en plus c'est entièrement doublé, c'est marrant, visuellement c'est très cartoonesque. Franchement, Woodruff et Schnibble Azimut, il est en abandonware, on l'a déjà fait en live. Donc vous pouvez très bien le tester par vous-même en fait. Ok. D'accord. Donc là, il faudra revenir ici avec la clé et un moyen de réparer le truc là-haut. Donc on va déjà retourner chercher la clé qui est... Il y a encore le truc japonais là-bas qu'il faudrait qu'on fasse. La clé qui est là-bas, non? Oui. J'ai du mal à mapiser le jeu dans ma tête, hein, en vrai. Je me perds un petit peu des fois. Bien. Où est-ce qu'il y a un interrupteur pour allumer le gaz ou pas? Ou là il est considéré comme étant allumé. Nickel. Quelle bien soit, je suis vraiment un agent de secret de grande classe. Pouf. Et pouf, c'est tout. Est-ce que quelqu'un la rêve si je dis et puis il a fait pouf, c'est tout, pouf, c'est tout? Pour voir si on a des gens de très grande culture ici. Oh putain, je suis tellement déçu. Je suis tellement déçu. Oui, ravi! Merci, François Pérusse. La dernière fois, ça m'a étonné, j'étais chez You. Et ils faisaient la référence, j'avais putain, et puis... Il y a Thierry, il nous doit encore 100 balles! 100 balles, quoi! Et ça m'a étonné qu'il y ait autant de personnes qui connaissent. Faudrait que je me les écoute tous, les François Pérusse. J'ai dû en écouter une centaine à l'époque. C'était tellement bien, les demi du peuple. D'ailleurs, il a recommencé il y a quelques temps, je crois, si j'ai compris. Oh, 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 51, 61, 91. Nunchaku x2, lunettes de vision nocturne 1. Basket super silencieuse. Téléphone chaussure XL. Facture 007, le petit clin d'œil. Et du scotch, on va pouvoir réparer l'antenne au passage. Est-ce que c'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que le Coffee gère pas? On va faire tout de suite le coup de l'antenne pour pas l'oublier, je pense. La blague du potager, elle est aussi dans les 2 minutes du peuple d'ailleurs. Alors... En même temps, je suis sûr qu'il a fait tellement de jeux de mots et de calembours, François Pérusse. Il n'y a pas un seul calembour que vous pouvez faire actuellement qu'il n'a pas déjà fait. Cet homme est un génie. Voilà, on met un petit coup de scotch. Pouf. Voilà, le scotch est à base. Demandez à Hughes, il vous dira. Ok. Du coup, on va pouvoir retourner dans la maison pour commander une clé USB. Un génie québécois de plus. Eh oui. D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce qu'à l'époque, enfin... Bon, j'étais gosse, j'étais ado. Hein. Mine de rien, quand j'étais ado, le Québec, je savais pas que ça existait. Hein. C'est... Pour moi, c'était Canada, c'était des anglophones, voilà. À l'époque, il n'y avait pas encore trop Internet et tu savais pas qu'il y avait autant de francophones dans le monde. Et justement, je chopais des épisodes de temps en temps des 2 minutes du siècle et des moments, je me dis, mais putain, il prend une voix bizarre sur certains épisodes quand même, François Pérusse. Parce que du coup, il fait vraiment des épisodes en version française et en version québécoise. Avec l'accent et tout, bien sûr. Et je trouvais ça super bizarre, je pensais que c'était des versions, pas les bonnes versions, ou quelqu'un d'autre qui avait essayé de l'imiter avec un accent bizarre. Mais je suis con, attends, d'abord faut téléphoner. Il y a une ville en son honneur en Bretagne, Pérusse-Guirec. Ah, franchement, quand tu sais pas que le Québec ça existe et t'entends pour la première fois un Québécois parler, ça fait bizarre. Hein. Ça fait très bizarre. Tube. Ah non, c'était là. Voilà. Du coup... Téléphone à l'étage. Yes. Et on est bon. Donc il faut que je retrouve le numéro que j'ai noté. Hop, ici, c'était quoi? Alors, attends, c'est pas ça. Ah putain, j'avais dû le noter sur le chat. Quelqu'un se souvient du numéro de téléphone? Ou l'avez retenu par cœur? Mince, et puis j'ai mon chat qui remonte pas assez haut. Ah, faut retourner voir la télé. J'aurais dû le prendre en photo. My bad. Moi, je pensais que vous étiez à fond, que vous notiez tout, que vous fassiez vos propres estimations, que vous connaissiez par cœur tout le lore du jeu. Je suis un peu déçu, hein. Les viewers de Coffee Gaming, c'est plus ce que c'était. Avant, vous étiez au taquet et tout. Le moindre pixel douteux, vous saviez où il était. 555, 94, 58, ok. C'est quelque chose, oui. Ouais, ça rattrape-toi, monsieur Armand, rattrape-toi. Depuis quand on est des bons élèves? Ah, ça vous arrivait, mais c'était une autre époque. Hein, les viewers de Coffee Gaming, c'était mieux avant. On retient un numéro de téléphone JV qui date d'une heure easy, bah oui. Moi, je sais même plus ce que j'ai mangé hier soir, vous savez, donc... J'ai mangé quoi hier soir? Ah, des nuggets et du riz, c'était vachement bon. Alors... Ok. Et là, il faut le numéro de compte. Oui, mais il l'a dit après que je l'ai vu, The Bane, donc ça compte pas. Ça compte pas. Ah putain! Le petit con, attendez. Merde! J'étais sûr de bien avoir pris la photo du numéro de compte. Et bah non. J'ai bien sorti mon portable, j'ai du mal à appuyer. 3630, 3630, allô Père Noël. Ah mais c'est même pas le numéro original en plus. Ah putain, monsieur Armand qui me sauve la vie. 516, 91, merci. C'était mieux avant les photos de Coffee. Oui, quand il pensait appuyer sur le bouton, ça marchait mieux. Alors attendez, 94-58. Ah mais je suis con en fait, j'avais noté sur le chat, c'est pour ça que j'avais pas pris en photo. Putain, et en plus je commence à devenir sénile. C'est la fin. Vous prenez, comment ça va? Press 1 to order, nunchuck. Nunchuck. 2 to place an order, please enter your account number. 51 61 91 51 61 91. Bravo! Thank you for shopping with Spy Boy. Encore mieux qu'Amazon. Ça rappelle un vieux jeu de stratégie de 486. Putain. Moi déjà ça m'étonne des fois quand je commande un truc genre le soir ou la nuit. Putain il me l'a laissé où le paquet? Non mais il est où le paquet? Ah putain il s'est barré avec ce petit con. Ça m'étonne que je commande un truc sur Amazon le soir ou la nuit et que je le reçois le lendemain matin à 8 h, mais là, champion du monde. Non sérieux, il a sonné d'où le truc? Ah putain j'ai fait péter la piscine c'est vrai. Du coup je sais vraiment pas où le chercher hein. Attends, on a eu un ding dong. On peut pas aller par là-bas, non. Ok. Parce que pour moi c'est ici l'entrée. Attendez, genre il y a combien? Ah putain d'accord, ça c'est une boîte aux lettres, faut le savoir hein. Yes. Et en plus elle est rose, magnifique. Comment ça Frélis? Question con, qui se souvient du numéro du Père Noël des années 90 hein, et la chanson qui va avec? La vraie chanson du Père Noël. Je ne sais plus où je vais en vrai, hein. Je vous préviens. À force d'aller partout, je ne sais plus. J'étais dépanné. Ah, mais c'est de la culture, la Visper, c'est de la culture, c'est important à savoir ça. Le numéro du panel des années 90. C'est important pour briller en société. Ça parle à tout le monde, ça. Pourquoi ça fait un vieux bruit de lecteur de disquette alors que c'est une clé USB? Ok. Et du coup, normalement, on devrait pouvoir l'envoyer depuis le... mince. Depuis la tour de contrôle là-haut. C'est les muscliers qui ont fait la chance au Père Noël. Même pas, même pas. Alors... C'est pas une disquette en forme de clé USB pour troubler les hackers. Mais pourquoi le truc c'est une forme de sauvegarde open office? Et on est bon. Comment ça, il y a dans cette transmission? Parce qu'on a réparé là-haut et ça a l'air de dire qu'il y a un autre souci au milieu, mais pourtant j'ai regardé, il n'y avait rien de tel là. Regardez plus en détail le... Ok... Peut-être que c'est mal branché. Ah... Voilà, tout simplement. Il y a juste un petit truc de pixel à cliquer, c'était bon. Voilà. On en va. Yes. Et du coup maintenant il nous reste quoi à faire. J'espère que la jambée surveille cette fréquence. Elle court un grand danger. Eh oui. Et là du coup il va sûrement arriver un truc parce que là j'ai rien. Ah voilà. Ça, il nous manque un morceau de plan pour avoir le code numéro 5. Oh. Agent LaRouge, it's time. Good. See you've received your mission supplies. Assemble them and get prepared. It's time to capture Agent B. Yes, sir. We'll be there to extract you soon. Rendezvous via your mini submarine. Rendezvous. And don't surface, so we remain undetected. Of course. Ok. Quel mini soir, hein. Pour finir, je dois arrêter Ruby. Ah bah écoutez, je pensais qu'il y aurait plus de trucs pour le chapitre 5, je pensais qu'il y aurait encore le code numéro 5 et tout. Mais non. Mais non, mais non. C'est quoi ce bruit? Le retour de la vengeance du jetpack. C'est pas assez loin, j'ai failli me faire rousser les sourcils. Eh bien les enfants, ce bruit, qu'est-ce que c'était ce bruit? C'est le bruit de fin de live. Et oui, on laisse un petit peu de suspense pour la prochaine, comme ça on aura tout un chapitre à faire. Je suis désolé de finir ce live aussitôt, parce que bah, j'ai une série de coups de fil à passer cet après-midi, à des lieux qui ferment à partir de 15 h, donc voilà. Le budget SFX, je viens de cramer toute la Twitch monnaie en 5 secondes d'SFX en vrai. Donc du coup, on continuera le jeu ensemble, à un moment on aura le temps, voilà, on y doit rester 2 heures grand max de jeu. Mais n'oubliez pas, demain on se retrouve à partir de 8 h pour du... Hollow Knight, on va essayer de finir le jeu, comme ça on enchaînera avec le 112%. Je vous mets comme d'habitude l'emploi du temps juste là. Et puis on verra un petit peu comment ça va se passer pour jeudi, vendredi, ce qu'on pourra caler. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a comme jeux qui ont été terminés de voter. Samedi, je vous rappelle qu'on sera sur du Yakuza Like a Dragon toute la journée. Et dimanche, on verra bien aussi. N'hésitez pas à continuer à voter d'ailleurs. Pour voir tout ça. Et oui, samedi creepy. Du coup, n'oubliez pas de aussi follower un petit peu les réseaux sociaux pour voir les prochains lives qui arrivent, les prochains jeux. Je vous laisse aussi jeter un petit coup d'œil sur la boutique. Je vous rappelle qu'il y a eu il y a une bonne semaine du nouveau dessus. Et puis moi de mon côté, je vais vous emmener voir quelqu'un. Mais chez qui donc on va aller? Mais chez qui donc je vais vous envoyer? Hop, je vais vous envoyer chez... Je vais vous envoyer chez... Ah, j'hésite. Bah tiens, je sais chez qui je vais vous envoyer. On va faire un petit coucou à Zarkiel. Il est sur du point and click et hop. Il est sur du Monkey Island. Donc du coup, vous allez voir ce que c'est que du point and click bien vénère sa mère. Parce que, bordel, Monkey Island en termes de réflexion, ça pique un peu. Vous allez voir, en plus, il fait pas mal de choses. Il fait un petit peu de rétro, mais il fait beaucoup de jeux à grosse difficulté. Des Souls-like, qui est vraiment très bon. Et dans la vie, il est doubleur. Vous avez peut-être vu aussi dans certains lives de PADG, si vous le connaissez pas. Alors, je sais pas du tout, Séraphin, on va voir ça ensemble. En tout cas, un gros merci encore à vous tous pour le live, merci pour le raid. Et puis, bien sûr, merci pour les subs et les resubs, parce que franchement, ça fait vraiment plaisir et ça aide énormément. Hop, on fait un petit hashtag Raid des Coffees. Voilà. Mince. Et puis n'hésitez pas à blinder le love avec quelques petits emotes. Voilà, bing. En arrivant chez Zarkiel, je penserai fort à vous cet après-midi parce que je suis en train de bosser à mort. Et on se retrouve demain à 8 h. Je compte sur vous. Passez une très bonne après-midi. Puis à très vite sur Coffee Gaming. Salut! Merci d'avoir regardé mon live et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Si vous avez apprécié, n'hésitez surtout pas à partager, à suivre la chaîne. Et si vous voulez donner un petit coup de pouce gratuitement, vous pouvez regarder quelques pubs sur Utip. Vous pouvez retrouver mes futurs streams sur Twitch dans l'onglet événements ainsi qu'y activer des rappels. Une dizaine de lives sont programmés chaque semaine. Vous pouvez retrouver toutes les rediffusions des streams sur la chaîne YouTube Coffee Gaming. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne secondaire Coffee Stories où je fais des vidéos en tout genre autour du thème du jeu vidéo et de la musique, ainsi que sur les réseaux sociaux, Discord, Twitter, Facebook et Instagram. Tous les liens sont situés en dessous de la vidéo. A très bientôt sur Coffee Gaming.